Le gaming est sa passion, bienvenue chez Keke Spy Knight. Viens relâche la pression, plein de jeux y compris Fortnite. Lâche au pouce bleu ton GG, abonne-toi sur son parcours. Membre de la team MPG, en live quasi tous les jours, V de Strime. Salut la team, c'est Keke. Aujourd'hui on se retrouve pour toute nouvelle vidéo pour le jour 13 du calendrier de l'Avent. C'est parti. Et demain, normalement, derrière moi, vous verrez mes décos de Noël, normalement. Comme vous pouvez le voir, là, les baquets qui sont là. Là j'ai un boîte à carton et trois baquets de Noël. Donc, voilà, je vais commencer faire mes décos. Et normalement, demain, autour de mon meuble, tout ça, mes colonnes, tout ça. Voilà, vous verrez mes décos de Noël. Bon, là, ici, vous verrez un peu les personnages dans la fausse neige, tout ça. Donc ici il y aura mes personnages Pokémon et puis Fortnite que j'avais la dernière, oh putain, et dans calendrier de l'avant Pokémon, et une autre année que j'avais du Fortnite dans calendrier de l'avant. Et là tout de suite là, bah il y aura une partie Harry Potter, une partie Mario, une partie Star Wars, voilà, de ce que je joue en ce moment. Voilà, voilà. Bon, passons à l'ouverture du calendrier de l'avant. Comme d'habitude, le Linda. Donc, c'est parti pour la case 13. La case 13. Allez, là. Le justice. Voilà. Juste là. Ok. On commence avec une petite plaque. Un petit cas de chocolat. Voilà. Ok. Ok. Ah. Ok. Ensuite. Kinder. Le puzzle numéro 13, il est là. Ok. Alors. Sont deux petits œufs au chocolat. Essayer de les sortir. Voilà. Hop. Voilà, deux petits Kinder. Voilà. Attendez. Merde. Ok. Bon, c'est pas oui, le... ça veut pas
C'est pas Ah voilà, c'est bon. C'est bon. Ok. Hop. Vous avez vu le logo Discord de mon ami Artie. Voilà, j'ai juste enlevé juste pour la vidéo. Hein. Excusez-moi. J'ai juste enlevé pour la vidéo. Après, je le remettrai pour moi après. Ok. Hop. Oula. Ok. Hop. Très homme qui est là. Hop. Pareil, une petite plaque au chocolat. Hop là. Hop. Il cas. Ok. Harry Potter. On redémarre une nouvelle ligne. C'est l'avant-dernière, c'est l'avant-dernière ligne. Hop. Ok. On voit pas trop. On voit pas trop bien qui c'est. Pour savoir, on va ouvrir le paquet. Oh. C'est le père de Dragon Ball Foy. Je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est. Je le reconnais, c'est son père. Je le reconnais totalement. C'est le père de Dragon Ball Foy. Et qu'on avait l'autre jour. Lui qui est là. Voilà. Vous vous rappelez, on avait eu Drago Malfoy l'autre jour. Voilà, c'est son père. Voilà. Là, on a le fils et le père. Voilà. Ok. Hop, on continue. Mario. Alors, 13. 13, 13, 13. Une grande case, elle est là. Juste ici. Donc on a quoi? Voilà.
Cast 13. Ciseaux, s'il vous plaît. Voilà. C'est. Voilà. On a c'est lui, un truc comme ça. C'est la tortue. Voilà. La petite tortue. C'est lui, je crois. Un truc comme ça qu'il s'appelle. Ok, ça fait plaisir. Et enfin le dernier dans Star Wars. La case 13. Aïe, de l'avant-dernière ligne. On entend mieux. L'avant-dernière ligne. Oh, j'ai l'impression que c'est bébé 8. Je crois. Je crois que c'est bébé 8 et c'est bébé 8, ouais. C'est bébé 8. C'est bébé 8. Alors, bébé 8, on l'avait déjà vu la dernière fois. En mode en mode comme ça, ouais, en mode comme ça, t'es en mode bonhomme de neige comme ça. Alors il ressemblait un peu à R2D2, je trouve que c'est clairement bébé Vict, hein. Là on, il a voilà. et là on est en mode Et là, on est en mode comme ça. Là, il a un peu aussi le mode de bonhomme de neige, mais voilà. Deux différents de bébé 8. Donc voilà quoi. Ou au moins que. Non. Ah, peut-être. Ah, non, peut-être. Attendez. Je suis en train de voir. Ah, non. Ah, non, du tout. R2D2, il y a une caméra aussi au milieu. Ah non, regardez là, j'ai un, vous rappelez, on l'avait vraiment comme ça. Ah non, donc là ce serait R2D2, voilà. Donc on avait R2D2 comme ça et R2D2 comme ça avec des cornes, et là on a bébé 8 en forme de bonhomme de neige comme ça. Donc on a eu bébé 8 en forme de bonhomme de neige et R2D2 en forme de bonhomme de neige. Ok, je pensais que. Voilà, et R2D2 comme ça. Je pensais que R2D2 il avait deux caméras, mais non, il en a qu'un seul aussi, d'accord, ok. C'est pour ça que j'ai cru que c'était. Lui c'était BB8, parce que. Je pensais que. Bah, que R2D2 il avait deux caméras, et puis qu'ils avaient fait BB8 avec une seule caméra ici, sur cette forme là. Mais non, en fait. Parce que, vu que. Qu'il y a eu un peu de orange comme bébé 8, je me suis dit bah c'est bébé 8, mais non, et là aussi ils ont mis du marron orange, pas comme là. Donc là c'est bébé 8 R2D2, voilà. Et là aussi R2D2, ok, bah c'est cool. C'est une petite rectification. Bon, voilà la team pour ce calendrier jour 13 du mois de décembre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager à fond la vidéo. C'est de nouveau, ne bien qu'à sur la chaîne, que vous voulez que mon contenu vous plaît, et n'hésitez pas
Vous êtes vous abonner, vous êtes les bienvenus, ça fait plaisir. Je vise les 500 abonnés, donc ce serait cool. Une fois que ce sera fait, n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications sur tout, parce qu'il y a surtout personnalisé aucune. Vaut mieux cliquer sur tout, comme ça c'est pas mal de notifs et notifs que vous permettez de passer ça sur la chaîne. Et puis voilà. Comment? Et pour ceux qui avaient l'habitude dans le passé de me voir stream sur YouTube, sur Twitch maintenant que mes streams se passent, je suis actif tous les jours. Donc en description des vidéos et dans mon propos de chaîne YouTube, il y a le lien de ma chaîne Twitch. Donc vous avez juste un seul truc à faire, vous cliquez sur le lien. Donc et ça vous mène tout droit à ma chaîne Twitch. Si vous n'êtes pas follow, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton suivre. Et après, vous êtes follow. Et après, il n'y a plus qu'à attendre une notif de moi dès que je démarre un stream. Et comme ça, dès que vous me voyez en stream, que vous recevez une notif de moi, vous pouvez me revoir en stream comme avant. Et passer me faire un petit coucou. Sur le stream, il y a plein d'interactions avec le stream. Vous pouvez interagir avec, m'envoyer des sons, m'envoyer des stickers. J'ai des petits stream avatars qui se baladent. Quand vous venez, vous pouvez interagir avec. Il y a plein de trucs où vous pouvez interagir avec le stream. Donc là, il y a vraiment de quoi faire pour s'amuser. Donc, voilà. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Ça s'amuse vraiment bien. Et que ce soit mes streams Twitch, mes vidéos, ma chaîne principale, n'hésitez pas à partager à fond sur vos réseaux sociaux, les gars. Je compte sur vous. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera et puis qu'on avancera en termes d'abonnés et qu'on me fera connaître un peu plus. Pareil, en description des vidéos de mon à propos de chaîne YouTube, vous y retrouverez aussi Twitter, Insta, Facebook, Snap, TikTok, et ainsi que le Discord. Si vous commencez à avoir 15 ans, vous pouvez rejoindre le Discord, et on est très actif, on répond à tout le monde. Voilà, ça va être une bonne petite commune. Donc, voilà. Et moi je suis actif sur tous mes réseaux sociaux et sur mon TikTok pareil. Dernièrement sur mon TikTok j'ai fait 3 vidéos de moi, que ça me transforme en personnage manga. Vous pouvez retrouver des vidéos Fortnite, des petits clips, il y a des moments drôles, des moments que je suis du top 1 duo, solo section. J'ai fait même un top 1, mon premier top 1 sur chapitre 4 saison 1. Après vous pouvez retrouver d'autres vidéos qui n'ont rien à voir avec Fortnite, enfin voilà. TikTok c'est un peu tout comme ma chaîne YouTube et Twitch. Je me prends pas la tête, je mets ce qui me plaît. Et puis voilà quoi. Voilà, tout simplement. C'est un peu un mix de tout. Voilà. Puis bon. Et voilà. Et aussi mes réseaux aussi ils sont sur ma chaîne Twitch, donc dans ma bio. Vous arrivez, vous voyez, il y a mon Discord, tout ça. Et sur ma chaîne Twitch aussi, il s'allie aussi dans le chat des streams, comme vous faites comme avant sur YouTube. Le point exclamation Y pour mon YouTube, point exclamation D pour le Discord, point exclamation R pour mes autres réseaux, et point exclamation Epic pour ceux qui veulent jouer avec ma Fortnite. Il y a mon Epic qui apparaît dans le chat. Donc voilà, vous faites cette petite commande là et le Nightbot répond à votre commande. Voilà. Bon, sur ce, la team, c'était Keke pour le jour 13 du calendrier de l'Avent, et on se retrouvera bien sûr pour le jour 14. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et maintenant je vous dis tchuss la team.